Salut les loulous, c'est Soma. Aujourd'hui, on se retrouve pour le 32e épisode de nos aventures sur Sunhaven. Donc les loulous, la dernière fois, je vous ai menti. Eh oui, c'est incroyable. Non, mais j'avais dit que ce serait le dernier épisode, mais finalement, j'ai peut-être encore des choses à faire. Et c'est ce qu'on va tenter de faire. On va vraiment essayer de farfouiller partout, 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 le plus possible. Tout simplement pour, comment dire, essayer de trouver les items spéciaux, les deux recettes qui me manquent et finaliser les poissons. Ça pourrait être plutôt sympa. Alors, je suis en train de me mettre. C'est pour ça que je ne bouge pas à l'écran mes screens. Voilà, pour le suivi. Hop, je réduis ça. Je le mets comme ça, je peux voir le timer de la vidéo. On est bon. On va essayer aussi de continuer tranquillement à monter nos cœurs avec Kitty. Et puis voilà. Donc, hop, toi, tu vas faire ça. Ok, celui-là s'est fait arroser aussi, c'est bon. Je n'ai rien à revendre. Ça, c'est des nouveaux poissons que je dois mettre à l'altar. Il faudra vraiment que je fasse le point des poissons qui me manquent. Il me manque une espèce de raie de mémoire et un poisson un peu bleuté scintillant. Et puis voilà. Bon, les animaux sont pas contents, je m'en fiche un peu. Ici, on a. Ok, alors deux nouveaux types de poissons qui me serviront pas à grand-chose. On va les revendre. Voilà, hop. Allez, on va aller voir Kitty, la belle Kitty. Ma moitié, eh oui, hein, depuis maintenant 2 épisodes, je crois, on est mariés. Donc, il faut qu'on entretienne la relation, il faut qu'on entretienne la flamme, comme on dit. C'est incroyable. Alors, on va juste lui faire le petit cadeau de cookies. Alors, des cookies, j'en ai plus beaucoup. Hein. Voilà, on attaque le 8e cœur. Voilà, on a fait un petit, une petite moitié de level. Anytime, pardon, si je ne lui réponds pas, je pourrais pas partir. Alors, la première chose, les loups, qu'on va faire, c'est aller à Withergate. Et on va aller voir l'altar des poissons, pour savoir exactement où j'en suis. Parce que c'est vrai que j'ai mis pas mal de poissons et je ne me rappelle plus. Je veux savoir exactement lesquels il me manque. Ensuite, on ira au village des elfes. Ce sera déjà pas mal, non? Va essayer de faire tout ça dans la même journée. Alors, de mémoire, dans la ville de Withergate, il n'y a qu'un seul marchand. Hein, et il est là. C'est le marchand de graines. La marchande de graines, hein, qui ne vend, comme son nom l'indique, que des graines. Elle a strictement rien d'autre. Ses ventes ne se renouvellent pas. Pardon, ensuite ici on a une espèce de jack-o'-lanterne. Ça c'est quoi? Une TV. Et puis c'est à peu près tout. Ici c'est des pets. Donc en fait il y a deux boutiques. Mais dans les pets il va pas y avoir les items spéciaux qui me manquent. Hein. Oui parce que vous m'avez fait remarquer que peut-être au village des elfes il y avait un des fameux items qui nous manque. Pour l'altar blanc qui serait en vente. Donc c'est pour ça qu'on va aller vérifier. C'est pour ça que j'aimerais être sûr que ici, j'ai rien loupé non plus en termes d'objets à vendre. Mais j'ai pas l'impression. Je pense pas que ce soit l'amitié avec les PNJ qui va nous débloquer ça. Hein. Donc voilà quoi. À l'hôtel, il n'y a pas de vendeur. Dans le château, il n'y a pas de vendeur. Donc en fait, on a vite fait le tour de ce village. Ok. Alors, les poiscailles. Alors, je ne sais... Je me rappelle jamais lesquelles c'est. Hein. Non. Non plus. Ah, voilà. Alors, ici. Ok, donc il nous manque 3 poissons. Il nous manque celui-ci. Et ces deux-là. D'accord, donc faut que je retienne. Ok, et donc l'altar blanc. Voilà, l'arbre, une espèce de médaille, de collier médaille, une épée. Bon. Alors pourquoi aussi j'insiste un peu là-dessus en épisode, c'est tout simplement parce que je vais vous montrer. On fait pas forcément attention, j'en ai parlé
Bah, dans le premier épisode qui concernait la mise à jour, mais en fait, il y a aussi à débloquer l'accès à une île. Et cette île, je pense que ça va dépendre de la quête principale. Et c'est vrai que du coup, je vous cache pas que j'aimerais bien avancer là-dessus. Donc c'est ce qu'on va tenter de faire, hein, dans cette vidéo. Alors attendez, ici là. On est d'accord, il n'y a rien de spécial. Ouais, donc ok, là c'est la boutique. Si on est d'accord qu'il n'y a rien. Non. Juste un autre accès. Qu'est-ce que tu vends, toi? Oh, tu vends rien. On aurait pu croire, mais non. Ok. Et le long des quais. Il a l'air de rien avoir non plus, hein? On est bien d'accord. Bon, ça marche. Je préfère perdre un peu de temps pour être sûr de moi. Donc en fait, quand on parle à lui là, bah regardez, voilà, Travel to Midnight Ice, ça fait partie des nouveautés de la mise à jour, hein, et pour l'instant, j'ai pas accès. Je peux pas. Donc je me dis qu'il faut, en avançant dans la quête principale, je vais peut-être pouvoir. Là est toute la question, en fait. Alors, attendez, hop. Parce qu'il faut pas non plus que je perde trop de temps si je veux réussir à aller au village des elfes et surtout à revenir. Je vous rappelle qu'on ne peut pas dormir là-bas, donc c'est un peu compliqué. Et surtout, il faudrait que je pêche sur place pour voir si je peux pas avoir de nouveaux poissons. Donc là, je vais pas m'attarder sur ramasser les items. On file en ligne droite. C'est par là-haut. Sauf si je croise un bouquin ou une bourse. Voilà. Allez, on se dépêche. Voilà, genre ça, je prends. Voilà, pareil, là, je prends. Il faut que je monte là. Hop, allez, on avance, on avance, on avance. Soit tranquille, le chemin c'est par là. Hop, c'est un peu, c'est en zigzag, hein. C'est, on tourne, tourne et retourne. Alors ici, je me rappelle plus ce qu'il y avait. Alors déjà, on va faire ça pour gagner des flames. Parce qu'on aura peut-être besoin de la monnaie, hein, pour faire les achats. Oui. Du coup, on a looté déjà une boutique au départ. Alors attendez, il faut que je revienne en arrière. Voilà, ici. Alors, sachant que les objets, hein, sont peut-être aléatoires, je me mets les items. De toute façon, c'est une épée, un arbre et une médaille. Donc là, il n'y a clairement rien. Et toi? Ah, l'arbre. 40 flammes. Ok. Donc on a l'arbre. Maintenant, il manque la médaille et l'épée. Alors, ils vont bien être quelque part, hein. Clairement. Il faut que je trouve en fait le bon vendeur. Il faudrait aussi que je trouve enfin, le plat de nouilles. Et. Comment ça s'appelle? Le plat de nouilles et. L'espèce de café ou de thé là.
toi tu vends des trucs, mais c'est que des capes. Ok, toi tu vends rien. Toi. Alors ici, le but de venir ici, c'est qu'il y a l'arbre. Mais je crois pas qu'il y ait d'objets à vendre. Eh bé. J'arrive pas à monter. Merci. Je peux pas. Faut être meilleur ami. Y a pas d'item en vente. Donc on s'en va. Ah, voyez là, y a un lac peut-être où on va pouvoir pêcher. Enfin là, dans cet épisode, pour l'instant, j'aurais pas le temps, mais peut pas leur parler à eux. Ici. Alors ici, c'est la boutique des pets. Je vais quand même parler au vendeur. Il propose rien. Donc là, c'est le balai. Et là, c'est quoi? Skateboard. Bon, je vais garder mes sous, hein, parce que si je dois acheter des choses. Ben, c'est décidément. C'est ça qu'il faut que je fasse. Donc là, il n'y a rien. Donc ici, là on peut pas y aller. Alors il est 18h déjà, faut vraiment pas que je traîne. Là c'est un cul-de-sac. Et là je pense qu'on peut toujours pas y aller. Bon, bah au niveau du village des elfes, à part pêcher, à part continuer à pêcher pour espérer avoir des nouveaux poissons, je vois pas ce que je peux faire de plus. Donc là on va rentrer. Va rentrer, toi, t'es pas un marchand, hein? On est assis. Ah, toi, tu vends des arbalètes. D'accord. Toi, tu ne vends rien. Ok, ben on va rentrer les loulous. Donc c'est parti. S'il y a rien. Alors là, j'ai pas fait gaffe s'il y avait des poissons, mais bon, on verra ça plus tard. Sur la deuxième journée, on reviendra ici, mais de suite, pour pas perdre de temps. Comme ça, on aura justement du temps pour pouvoir pêcher. Ok, hop, on passe ici. Bon, bah on a quand même trouvé un item. Il nous en manque plus que deux. Alors, il y a de grandes chances que ce soit des items à acheter quelque part, hein. Là, je vous cache pas que le premier qu'on avait déjà mis depuis un moment, on l'avait acheté dans une boutique. Là, pareil. Donc, n'y a pas à tortiller des fesses pendant 107 ans, comme on dit, hein. Il faut juste trouver le bon marchand. Ça va pas être simple. Ah, ça m'étonne qu'à Withergate, il n'y en ait pas un, justement. Donc on va aller se coucher. Je vais juste en fait apprendre ça. Ça. Ça, je vais pouvoir le vendre. Et ça, on va le garder là. Voilà. Tac. Mince, je vais y arriver. Ok. Allez, go dodo. Parfait.
Alors, donc là, il va être très tôt. Je peux pas aller voir Kitty de suite. On va aller sur la plage. Je pense pas que ça ait poussé là encore, hein. Non. Donc du coup, hop. Normalement, ça devrait tout arroser. Ah, pas dit. Si, c'est bon. On va aller sur la plage, voir s'il n'y aurait pas des petits coffres à ouvrir. Voilà, genre ça. Pour avoir des crabinous. Comme ça, on pourra les offrir à Kitty. Alors, encore un là. Bon, il n'y a pas eu de crabe. Alors, c'est un véritable dépotoir la plage, hein. Ok, il n'y a rien. On peut repartir. Je vais vendre ça, ça. Ça, on garde. Les lingots. Les lingots, je vais les vendre aussi. Hein. J'en ai plus besoin. 7h40. On se rapproche. Alors, ce qui maintenant m'inquiète le plus en fait à réussir à trouver, c'est bon, on va peut-être galérer sur les trois derniers poissons, mais ce qui m'inquiète le plus en fait, du coup, c'est plus maintenant les deux plats à cuisiner qui me manquent. Là, j'avoue que bah, je sais pas trop comment faire. On va virer ça, ce sera fait. Voilà. Et donc, on est reparti. On part à nouveau au village des elfes. Donc c'est vrai que ça va être plutôt galère, j'ai l'impression. Mais bon, t'es comme ça, hein, il va falloir faire avec. Il y a des sous. Alors, hop. Essaye de pas perdre trop de temps. Alors, on va essayer de pêcher dans le village même. Je pense que c'est le mieux. Hop. Il y avait une bourse, hein, mais c'est pas grave. Je vais pas me prendre la tête pour juste un peu d'argent. Ah, par contre, je prends quand même le bouquin. Bon, allez, on la prend. Ah, ils m'ont pas touché. Bim. Bam. Allez, on monte. Alors, ici déjà, est-ce qu'il y a moyen de pêcher ici? Ma canne à pêche. Alors, on peut lancer. Maintenant, est-ce qu'il y a du poisson? À voir. Ça a pas l'air. Ok, ici, on est d'accord qu'il n'y a pas d'accès à la pêche. Ouais, il y a un petit accès là, mais. Alors on peut lancer, hein, mais je vois pas de poisson, donc alors, on va aller voir par là. Ici, il y a une cascade. Et je vois zéro poisson. Il n'y a aucun poisson, hein. On est bien d'accord. Bon, ça va pas nous aider cette histoire.
Vas-y, hop, on va échanger. Non, pourquoi tu fais ça? Ouais, c'est pas grave. Ah si, je l'avais pas vu, lui. J'ai loupé. Non, mais sérieusement. Poisson perroquet. Alors le problème, donc il y a du poisson, mais il n'y en a pas 50. Voilà, il y en a un petit ici. Ouf, qu'est-ce que c'est ça, ça? Poisson, licorne. Bon, mais il me le faut pas, hein, mais dommage, mais bon. Ok, ça on connaît déjà. Son perroquet. Alors, il est midi 20. Sur le jeu. Où est-ce qu'il va y avoir un spawn de poissons? Ok, il y en a un qui arrive. C'est buggé. Petit dernier, mais bon, j'ai pas l'impression qu'on va avoir grand chose de folichon. Suis loupé. Ah! Bon, poisson licorne. On va changer de spot. Alors, ici, il n'y a rien. On avait trouvé tout à l'heure un spot en partant à droite, un chemin qui partait sur la droite. Je crois que c'est ici. Et... Il n'y a pas un petit lac. Voilà, il y a un petit lac. Ok, c'est un violent. Waouh. J'y arriverai jamais, ça va tellement vite. Oh là 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 là, la galère. Mince. Ah, c'est l'autre qui vient maintenant. Encore celui-là, on connaît déjà. Alors, le problème, c'est à part avoir un gros coup de bol. Ok, fou. Ah, ah bah voilà. Ça, c'est un de ceux qu'il me faut. Cristal Tétra. Ok. Bon, là, je suis plutôt content. Ça valait le coup de se galérer dessus. Alors, on continue. Ah, il est déjà 15h, le problème. Poisson licorne. Poisson licorne encore. Ou Smoothfish. Ah! Un Velvetine Beta. Alors celui-là il me le faut pas, mais c'est encore un nouveau poisson. Je pense pas que j'en avais eu des comme ça. Alors je sais pas non plus si on peut pêcher dans les mines. Ça c'est une très très bonne question. Et puis surtout en bordure de plage, j'arrive pas, j'ai pas spécialement de poisson.
Ah, par contre, ils veulent plus spawn les pescailloux là. À moins qu'il y en ait un planqué là que je vois pas. Allez, en voilà un. Bon, bah, ça, c'est le même que juste avant. Voilà. On commence à les reconnaître en fait. Hein. Par rapport à la taille qu'ils font et par rapport à la vitesse après de la jauge. Je suis un peu loupé. Ok, poisson perroquet. Alors, sur la prochaine journée, et donc ce sera la dernière de cet épisode, on fouillera la ville de départ. On essaiera de voir aussi si on peut pas pêcher dans la mer. Ok, ici je vais aller voir ailleurs. Donc on repart. Non, c'est pas par là. Alors, je suis coincé. Merci. Je vais aller voir au nord du village s'il n'y a pas un autre spot d'eau. Alors là, on va faire ça. Alors, je ne crois pas, mais je vais juste vérifier en fait. Donc là, il n'y a pas de flotte. Là où il n'y a pas de flotte. Ok, donc ici, il n'y a rien. Sur la droite, sur la gauche, pardon, je pense pas non plus. On va pouvoir partir. J'aurais bien aimé tenter de pêcher là où il y a les vendeurs au départ. Mais c'est pas possible. Ah! Alors, je pense que c'est les mêmes, hein, mais. Là, il y a un poisson. Ah, bah encore un autre, un dragon gulper. Ah, vous voyez, c'est encore, encore un nouveau poisson. Bon, là, ça va être un perroquet. Ah non, un truc comme ça, d'accord. Alors, level 7 en fishing. Ça, on va prendre. Pour réduire de 15% la vitesse du mini-jeu. On va voir s'il y a quelque chose qui vient. On voit pas le bas de l'écran, donc... merde. Pardon. C'était pas voulu. Ah, il est 7h10, va falloir que je rentre. Hein. Ouais, allez. On rentre. Ah, regardez, il y en a aussi ici, en fait, des poissons. Perroquet. Allez, un petit dernier. Ah! J'ai loupé. Ok, allez. On rentre. Non, c'est par là. Bon, bah il nous en reste deux de poissons à dégoter. Ça va pas être simple, hein. Ça va pas être simple, simple. Décidément. Donc il reste une espèce de raie. Alors le problème c'est que dans la liste des poissons qui nous est donnée, hein, tous les derniers poissons que j'ai eu c'est dans la forêt, dans cette forêt quoi. Et dans le village des elfes. Alors, je dis ça comme ça, hein, mais c'est pas vraiment des elfes, mais bon. Et donc le dernier de la liste c'est cette espèce de raie justement.
Et ça m'embête un peu parce que est-ce que c'est vraiment ils sont classés dans l'ordre et vraiment les deux qui me resteraient encore à trouver bah, c'est au même endroit. Il faut juste avoir du bol sur le spawn. Parce que vous avez vu que le poisson là donc celui-ci là qu'on va mettre là d'ailleurs je l'ai eu qu'une fois hein. Je l'ai vraiment eu qu'une seule fois. Donc si ça tombe les autres sont tout aussi rares et ça va être assez galère à récupérer. Je sais pas hein. C'est un avis comme ça, mais j'avoue que ça va pas être facile. Donc on va aller se coucher. Je vais ranger les poissons. On verra ça. Je sais même pas s'il me reste de la place dans les coffres pour les poissons. Ok, j'ai. On va garder celui-là, celui-là. Celui-là, j'ai pas. Ça, on a. Ok. Juste, on va faire ça. Impeccable, dodo. Perroquet rouge. Voilà la place. Tout ça, on va revendre. Ok. Donc, tout ça, on revend. Alors, aujourd'hui, on reste ici. Est-ce que ça a fini de pousser? Non. Donc, on vend ça, ça, ça. Ça, on va le mettre là. Ça. Hop. Ok, tout est arrosé. Il est un peu tôt pour aller voir Kitty. Du coup, on va faire un mode. On va aller à la plage. J'aimerais vraiment pêcher dans l'eau, en fait. Enfin, en mer. Jamais vu de poisson en mer. Et pourtant, on arrive à en attraper, il me semble, avec les filets. C'est quoi ça? C'est pas un poisson ça. Oh, c'est une tache. Ok, on peut pas passer là. Ça c'est bizarre, hein. Je trouve vraiment bizarre qu'il n'y ait pas de poisson en fait. Toi, est-ce que tu vends quelque chose? L'avais jamais rencontré lui? Alors attendez. Il y a des espèces de bugs bizarres là, j'avais jamais fait gaffe à ça. Alors il brille celui-là. Oh, ok, alors c'est un spécial. Clair et net. Pas été facile, hein. Ça va pas être facile, facile. Ok, je l'ai. Oh, ok, super. C'est le deuxième qu'il me faut, une carpe en or. Attendez, je reviens dans ma liste de poissons. Ouais, c'est tout à fait ça. Donc il me manque que l'espèce de raie qui potentiellement en plus se pêche ici, hein. Alors, toi, tu vas là. Ok. On est tellement proche de finir ça. Ça, c'est quoi ça? Streamlight Code. Alors, c'est pas ça qu'il me faut. Mais il y a de l'idée. Si on pouvait avoir le dernier en mer,
qui semble logique, hein. Qu'est-ce que c'est que ça? Royal Earring. Connais pas non plus. Alors, je voudrais parler à toi là. Est-ce que tu vends quelque chose? Non. Oh, regardez ici tout ce qu'il y a. Comment on va là? C'est abusé le nombre d'items qu'il y a là. Ah, alors encore un qui brille. Alors, il brille, mais... Oh, un Blunted Swordfish. Ok, donc encore un peu un spécial, mais pas celui-là que j'aimerais avoir. Vas-y toi, viens là. Qu'est-ce que c'est ça? Blue Tang. Alors quand on est ici au poton de pêche, là je sais pas comment on y vient. Je suis même pas sûr qu'on puisse venir ici. Alors il y a des poissons ici. On va se les faire. Oh, il y a encore un... Oh, les deux sont... Les deux sont en brillant. Loupé. Allez. Perfect. Ah, poisson globe. Ok, bon. Est-ce que je vais voir du côté des ennemis là? Enfin, là où il y a des moches en fait. On peut pêcher ici. Je ne sais pas trop, c'est du poisson. Bon, ça va être un peu embêtant avec les monstres qui respawnent, mais. On peut pas avancer là. J'ai pas l'impression qu'il y en ait. Ok, donc on va repartir en arrière. Récupère les sous. Alors ici. Bon, on est... Ah, il faut que j'aille voir Kitty. Je vais aller voir Kitty vite fait. Bon, il nous en manque plus qu'un, les loulous. Là, on en a trouvé un nouveau. Alors ça, c'est vraiment cool. J'espère que, vu la tête qu'il a, en fait, le dernier poisson qui nous manque, qu'il est vraiment en mer. Moi, pour moi, c'est un poisson de mer, mais bon, maintenant, on peut pas être sûr à 100%. Hein. Alors, est-ce qu'elle est encore ici? Oui. Cadeau. Crabe. Bim. Bam. Alors, on va finir celui-là. On ne gagne pas grand-chose. Hein. Ok. Alors, les boutiques. C'est un peu le moment maintenant de faire le tour des boutiques. Qu'est-ce qu'il y a comme marchand dans le jeu? Ok, toi je peux pas. Qu'est-ce qu'il y a comme marchand qui pourrait nous... Nous débloquer un des items spéciaux ou une recette. Alors attends, toi je voulais pas te parler en fait. Va-t'en s'il te plaît. Merci. Alors ici. Non. Toi tu vends rien non plus, hein. On est d'accord. Je peux pas passer là.
Il n'y a personne d'autre. Donc dans la bibliothèque, il n'y a personne. Il n'y a pas de vendeur, je veux dire. C'est pas qu'il n'y a personne, mais... Alors ici, toi. Donc toi, c'est toi qui nous avais vendu cet item. Ok, qui est un des quatre items qui nous fallait, hein. Mais tu n'as pas autre chose. Alors ici, c'est que des tenues. Ok. Ici, c'est toujours pas ouvert. Ici. Non. On va vraiment faire tous les magasins. Enfin, en tout cas, on va essayer. Lui, il vend que des disques et le gramophone pour les lire. Ok. Alors, ici, c'est fait. Ici. Bon, je vais revérifier, mais c'est des vendeurs d'armes et d'armures, hein. Alors, en l'occurrence, des pierres précieuses et des outils. Ah! Eh ben voilà, en fait! Ok. Ok, j'ai fini l'altar blanc. Ok, les deux items, ils étaient au même vendeur. Incroyable. Ok, bah super. Ça, c'est fait. Donc, l'altar blanc est fini. Il nous manque un poisson pour l'altar des poissons. Toi, ok, on est bien d'accord, t'as rien. Ok, non. Vérifie tout. Ah bah là, c'est cool, franchement, super avancé. Alors, il est 16h40, les boutiques, certaines boutiques vont bientôt fermer, j'ai pas été partout. Alors, attendez les loulous. Il y a ici. Alors, normalement, ils vendent que des graines. N'y a pas de recette de cuisine ou... Non, hein. Que de la déco. Ah, le lit là, il est chouette. C'est rigolo. Ok, on va aller à côté. La Pet Store. Ah, le marchand, il est là. Bon, non. Alors, je me suis pas amusé à acheter des animaux de compagnie. On en a déjà deux. Qu'on avait eu avec le Kickstarter, hein, donc je m'embête pas plus avec ça. Est-ce qu'il n'y a pas. Je vais aller voir ici. Toi, tu vends des trucs aussi? Ouais, tu vends des trucs, mais rien d'intéressant. Y a pas une taverne ou un resto en fait. Je pense qu'il me manque un magasin que je vais pas voir. Mais alors lequel? J'en ai aucune idée. Ça c'est la clinique. Je sais même pas s'il y a un marchand dans la clinique. De toute façon, il n'y a plus personne. Donc ça va être compliqué à voir. Ici, on a fait. S'il y a la roulotte, mais. Ah! Il y a peut-être des ventes. Waouh, c'est quoi ça? Une statue de lion doré? 100 000 pièces d'or? Ah, bah ça va. Pas l'ouvrir ce coffre, dommage. Il y a peut-être des trucs ici. Je ne sais pas non plus, du coup. Mais il y aura peut-être des trucs à acheter. Ah, la taverne, elle est là. Hop. Tu ne vends rien, toi? Elle vend rien.
C'est bizarre. Ouais, c'est plutôt bizarre. Ok. Donc, il n'y a rien. Tiens, il y a Kitty Cat. Si on peut pas rentrer. Après, toi. Oui, bah celle-là, je l'ai déjà faite. On a fait là-haut. On n'a pas fait ici, mais ici. C'est un resto, ça? Ah, c'est le café. Ah, peut-être dans le café. Ah! Dites-moi qu'il y a les nouilles. Oh, ok. On a fini l'altar des repas. On a les deux items. Il nous manque un poisson, les loulous, pour finir la totalité des altars. En tout cas, au prochain épisode, on pourra compléter deux altars. Et il me manque juste en fait un poisson qui a vraiment une forme de raie. Hein. Je vous mens pas là-dessus. Maintenant, il faut juste trouver où est-ce qu'on le pêche. C'est la dernière chose qui me manque. Je suis très content de cet épisode. Hein. Vraiment très content. Et j'ai bien fait de continuer du coup. Et bien, on va rentrer. Là, j'ai pas l'impression qu'il y ait des poissons qui spawnent. On va insister au prochain épisode, en démarrage du prochain épisode. On va vraiment insister sur la mer, la pêche en mer. Alors, du coup, attendez, il faut vraiment que je place tout ce que j'ai besoin au. Voilà, pas les vendre hein, par accident. Voilà. Et tout le reste, je peux le vendre, ça, je m'en fiche. Bon, j'ai eu des nouveaux poissons qu'il faudrait que je range aussi. Bah, en tout cas, c'est une belle avancée. Ça, je peux le vendre parce que j'en ai tout le temps des comme ça. Alors là, il y a des nouveaux poissons là. Hein. On va aller ranger ça. Ah, il me reste plus beaucoup de place. Hein. Celui-là, ok, on l'a pas. Alors celui-là, je l'ai. Celui-là, je l'ai. Et les trois autres, à première vue, je les ai pas. Donc on va commencer à stocker les poissons ici. Voilà. On va vendre. Et on va aller se coucher et finir cet épisode 32. Les loulous. Donc il y aura un 33. Il me reste juste un dernier petit coup de chance à avoir. Pour pêcher le tout dernier poisson qui me manque. Et ce sera parfait. Donc on va aller se coucher. On va le faire comme ça. Ah ouais, je suis vraiment content, ouais. Ok, et bien les loulous, je vous laisse là-dessus. Vous me direz ce que vous en avez pensé, hein, de cet épisode riche en nouveautés acquises pour les altars. Et moi je vous dis à la prochaine. Allez, ciao tout le monde.